Ah, niveau 3, quand même. Un petit challenge. Alors, qu'avons-nous là? Ça, je penche pour... Gargouille? Gargouille. Des gargouilles. Du petit Stremont. Le petit monstre gargouille. Avec un petit drop, évidemment. Alors, je crois que les gargouilles, en plus, ça donne de la merde. Voilà, des crânes de gargouilles. C'est de la merde. Et nous avons un pilier de lumière. Le pilier de lumière sera-t-il l'énigme? Ce serait aussi le fait que des magiciens de squelettes les fesses sont là. Ah, il s'est mis là-bas. Oula. Ah non, il s'était juste rendu invisible. Et lui aussi. Non mais Dalin, sois pas con, s'il te plaît. Voilà. Oh mais on a là aussi. Ah oh, faut tous se les faire. Ah non c'est une boule. Ah non c'est une boule, faut résister à ça. Meurs sac à merde. Putain j'ai eu sac à merde. Allez. Allez. Pas d'infection. Zéro infection. S'il te plaît. Quoi? 161. Waouh. Là il y a une porte magique on dirait. Parce qu'elle est bleue. Ah, une harpe de chaos. Alors ça vaut cher, mais j'en ai rien à faire. Donc, le pilier de lumière. Le pilier. Ce pilier abrite une lueur intermédiaire dans la lumière, ça shoot pièce. Ok. Ah, Gan, salut. À l'aide. Si vous pouvez me guérir, l'ami, je dirais qu'est-ce que ce que je sais dans un cas t'as fait me tuer. Qu'avez-vous? Je parlerai franchi la créature de la façon dont je suis carré autrement. Vous voulez que je vous guérisse pour prendre la compétition, pas parce que... je vais voir ça. Est-ce que je le décède? Je vais voir ce qui se passe. Quelle bonne surprise. Tiens. Il est attaqué par des créatures invisibles dans la prochaine salle, soit assez puissante, je pense que c'est... Pour la bataille, une d'elles s'est approchée du pilier de lumière et a explosé. J'étais trop blessé pour profiter de cette information. Mais vous ne l'êtes pas. Sur combien de temps? Tu parles de cette pièce-là? Mood. Tu as disparu. Bon, j'ai donné une soin. Alors. Ah. Est-ce que j'ai fait le chemin à l'envers? Hop la boum, c'est moi des trackers. Oh oui, je me souviens. Oh là là. Toute une histoire ces trackers. Ah, il y en a un qui est déjà mort. Non, il est là. Ah, putain, là, qui s'en prend dans la gueule. Ah. Ah, Dalin, ne décède pas, s'il te plaît. Oh, mais il s'en fait 4 à la fois, et moi je suis même pas foutu d'en tuer un. Voilà, et un. Et d'un. Et de deux. Dalin, soigne-toi. Dalin, soigne-toi. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi aussi, je suis sérieusement blessé. On est tous dans une posture délicate. Immunisé contre cette attaque sournoise. Oh, parfait d'un. Une petite bague en argent. Je crois que t'es sur un drop d'un. Des trackers, mais c'était évident. Ces créatures sont sournoises et malicieuses. Par contre, 200 par tracker. Je suis, mais tellement pas contre. Je ne suis pas contre, je ne suis pas du tout contre, même. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, tout va bien.
Petite sauvegarde rapide. Pas là où il fallait. Maintenant, on reprend la suite avec un dernier tracker. 2, 3, 2, 2 trackers. 2 trackers et un Bodak. Un Bodak. Alors non. Je n'irai pas dans cette salle. Je suis une petite bite. Je l'assume entièrement de ce fait. Mais non, je n'irai pas. Donc lol, non, non. Cette salle ne sert à rien. En fait. Cette salle n'a complètement servi à rien. Fallait aller par là. Au pire, on se mange un stremon. Voilà, et en plus, il y avait une barrique. Et un petit piège à 6, mais c'est pas grave. Région sur la côte des épées. M'en fous. Attention, le piège. Les deux pièges. Troisième piège, peut-être. Je sais pas, je pense qu'il y en a pas assez. Un quatrième piège. Oh, ça m'a l'air piégé. Oh, regardez si c'est pas piégeux. Pef, sauvegarde, et c'est là la suite. Des momies. Alors, les momies, ça avance pas avec le Seigneur Ghoul. Le Seigneur Ghoul, par contre. Par contre, je ne comprends pas le fait que je sois effrayé. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais regardez ça en plus, ils sont en train de décider. Ouais, peut-être que j'augmente ma volonté un jour. Allez, 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 allez. Contre le ciel de nuit. Voilà, il reste plus qu'un. Voilà, allez. Non, Dalin, Dalin, pas le piège. Oh là là, mais regardez-moi ce mon personnage, comment il est faible dans sa volonté, dans son esprit, dans tout. Mon personnage est une grosse merde. Une grosse merde. Petite caisse. Et puis là, il y a le chemin. C'est la suite. J'espère que c'est la suite. Oh, très belle statue. J'aime beaucoup. Verrouiller des caisses, c'est une passion. Bon. Alors. J'en vois deux. Une ou deux, j'en vois deux. J'en vois deux. Voilà, on en attire une. Non, on en tire. Parfait. Oh, elles n'ont pas de bouclier. Oh oui, elles n'ont pas de bouclier. Oh oui, ça va être le bordel. Oh là là, ça. Oh, ça sent le décès. Oh, ça sent le décès. Quelque part, ça sent le décès. Je ne sais pas pourquoi. Oh, ça sent non seulement le décès, mais en plus l'incubation d'une maladie potentiellement chiante. Voilà. Le but là, c'est de se mettre un peu sur un ennemi. Il reste. Non, mais je m'en fous. Ah non, il reste pas. Et bah, c'est la fin de l'épreuve. Alors là, il y a quoi? Il y a aussi la fin de l'épreuve? Ah, il y avait quelque chose. Ah, oui. Vous êtes entré dans la salle du défi. Ah, du dernier test, laisse tomber, excuse-moi, je me suis trompé. Non, mais. Oui, je suis là. Je vais fouiller les caisses et les barriques. Verrouiller. Évidemment. Comment on peut verrouiller une caisse? Est-ce que c'est techniquement possible? Je pose des vraies questions. S'il y a quelqu'un qui le sait, ben apprenez-moi. Bonjour, statue, le coffre. Oui, tu fais du bruit, là, ce coffre, la statue. Oh, pas mal, ça. Maintenant, elle ne fait plus de bruit.
Ah si. Ah oui, ça fait plus de bruit. C'est rapide. Très 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 la rapidité. Non, oui. Bah allez. Ah mais dégage. Oublie. Allons au coffre. Et après je te parlerai. Un défi vous attend. Ok. Quelques bibelots sont dispersés dans son genre. Mettez-en un et un seul dans le coffre qui se trouve devant moi. Si vous me donnez celui que je veux, je vous sortirai d'ici les autres. Les autres créeront de nouveaux chemins. Lequel voulez-vous exactement? Celui qui a pour énigme suivante. Une boîte sans charnière ni couvercle qui enferme un fabuleux trésor. Ah putain. Le premier groupe en lice attend la fin du donjon et réfléchit à présent sur l'énigme. Une boîte sans gond, sans couvercle ni clé. Une boîte sans gond, sans couvercle ni clé, mais qui renferme un trésor doré. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'était que ces choses? Quoi? Parfait, je gagne. Une boîte sans charnière, ni couvercle, ni serrure. Une boîte sans charnière, couvercle, ni serrure. Mais qui renferme un trésor. Une boîte. Ah, j'avoue que je ne sais pas. Une boîte sans charnière, couvercle, ni serrure, mais qui renferme un trésor. Ah! J'aime pas ces énigmes là, ça m'énerve. Une armure. Est-ce qu'il va falloir que je cherche? Attends. Alors, quelques lots sont placés dans le coffre, rien ça dans le coffre qui se trouve devant moi. Faut que je me tape tous les donjons, faut que je me tape le reste de cette salle. Et j'aime pas! Alors, soit c'est celui qui est dans cette salle et je suis... je vais te dire baiser, mais... Je suis sûr c'est celui qui est là, je suis sûr il est dans le coffre là. Je le sens fort. Je me sens tellement fort que c'est un truc que c'est là où je veux pas y aller. Mais j'ai tellement pas envie. J'ai tellement mais pas envie. Si vous savez à quel point j'ai pas envie. Oui. Mais je crois que ce soit pour vous. Dalin, est-ce que tu es prêt à mourir? La strat, c'est tu t'occupes des autres pendant que je m'occupe du bordac. On est garde à ma colère. Ça pique. On retente la même. Ça va marcher. Au bout d'un moment, le jeu va craquer. Ne t'en fais pas.
Je suis déçu, ça a à peine marché. Mais là, je peux l'avoir, grâce à la technique de la safe strat. Vous voyez, ça marche. Oh, il y a intérêt à ce que ce soit ça. Oh, 9 au cristal. Non, oh, alors par contre, ça, je dis oui. Oh, la dent de Bodak, je m'en fous. Ah, bah oui, un 9, ça me semble évident. Alors là, tout de suite, c'est évident, mais il y a 30 secondes, ça semblait pas évident. Qu'est-ce que. T'es qui, toi? T'es le nain? Merde. Oh mais j'ai pas envie, Gorkan, t'étais un nain sympa. T'étais sympa comme. Bon par contre non. Non non. Là... Petite potion. Putain mais non, mais Gorkan, non. Oh. T'as une superbe hache que je m'empressais de revendre par contre. Par contre elle pèse 7. Trop facile. Mais non, mais moi je t'aimais bien en plus. Faut vraiment que je. Est-ce que je dois les tuer un par un? Oh, j'ai pas envie de vous tuer les mecs. Vous étiez cool. Bien. Machin. Énigme. La statue. Oui. Alors. Non, dégage. Merde, fais un truc. Laisse-moi voir ce coffre. La réponse à l'énigme. Et bien sûr, l'œuf en cristal. Allô? Grâce à l'œuf, vous pouvez sortir le jour, vous avez remporté le concours, c'est prêt à remonter à la surface. Yeah! J'ai gagné. 125, c'est tout. Les dernières énigmes ont été résolues et les concurrents ont été portés à l'entrée. Allons parler à Yaru pour qu'il annonce le nom des vainqueurs. Oui, je dis Yaru au lieu de Jaru. Jaru, où es-tu? Jaru, parfait, bonjour. Vous avez gagné la compétition? Félicitations. Allez parler à Mutamine pour obtenir votre récompense. Ok. Eh ben, je vais parler à Mutamine pour obtenir ma récompense. Monsieur le garde, bonjour. Salutations. Oh, cool, merci. C'était... Bon, j'ai tué un nain, je suis pas content. Enfin, je suis pas content de ce que j'ai fait. C'est quoi ça? Sortie? Escalier vers le haut. Ah oui. Aristocrate, sans cervelle guerrier, garde des MFA. Pourquoi ils mettent toujours de l'eau dans ma bière? Parce que t'es un sac à merde. Métamine, bonjour. Ainsi, il me semble que ce soit vous qui ayez remporté ma petite compétition, hein? Il semble que je dois vous féliciter. Ouais, mais avec le ton que t'as, je suis pas sûr que c'est ce que t'as envie de faire. Moi, j'ai regretté autant que j'étais aventurier, tout comme vous. Mais j'imagine que vous n'êtes pas là pour m'écouter parler, hein? Mon sac est trop lourd. Tenez, voici la moitié de ma fortune. J'espère que vous ne serez pas déçus. Et encore une fois, bravo. Merci, ce coco, je connais quoi? 900 PO, point XP 500, vous êtes trop chargé, j'ai obtenu une arme. Rajoutez 100 pièces d'or et je m'estime heureux. Quoi, c'est tout? Alors, on vous pouvez bien ajouter 3 d'or. Ça a été une expérience enrichissante. J'aurais beaucoup posé de questions à ce sujet, mais j'ai vu une bonne partie de ce qui est arrivé et je ne veux pas que vous ayez mieux à faire. Au revoir. J'ai tué un lunin. Ah, par contre, je suis vraiment le. Je suis le ras. Ah ouais! Ah oui! Ah, je suis le rase-point! Ah, c'est quand même. Pef!
Bah cool. Alors, non, pas F, c'est J. L'assistant de Mutemi, Jaru, a annoncé les résultats et Mutemi a donné remis à la course au vainqueur. Le donjon est maintenant fermé pour être refourbé. Ah oui. Donc ça, c'était la première quête. Maintenant, on va retourner à Poliest pour les pierres des serpents.